Récolter des données reste forcément très lié au sujet de recherche et ensuite au protocole de recherche. La majeure partie du travail de terrain, notamment en glaciologie, c'est de déterminer au mieux la donnée que nous allons récolter. Au cours de 4 saisons que j'ai effectuées en Antarctique, on n'a pu accéder qu'une seule fois au glacier qu'on étudiait, à cause de sa difficulté d'accès. Donc forcément, nous devons concentrer nos efforts pour savoir de quelles données nous pouvons nous passer et aussi quelle sera la plus intéressante. Les données en glaciologie sont des données qui sont dites géophysiques ou alors climatologiques. En données géophysiques, on a par exemple des GPS, des balises qui sont posées sur la croûte ou sur les glaciers. Et en données climato, c'est souvent des carottes de glace qui sont forées sur plusieurs kilomètres. Dans notre équipe, on étudie l'évolution depuis une trentaine d'années des propriétés physico-chimiques de l'océan austral. C'est cet immense océan qui entoure l'Antarctique. J'ai participé à plusieurs campagnes océanographiques en plein milieu de cet océan avec ses vagues de 10 mètres de haut et ses vents violents, les fameux 40e rugissants. À chaque fois, on partait pendant plusieurs semaines sur un gros bateau scientifique en totale autonomie. À bord, nous sommes une trentaine de marins et autant de scientifiques. Au cours des missions, on prélève de l'eau de mer aussi bien en surface grâce à un système de pompe que jusqu'à 4000 mètres de profondeur. Pour cela, on envoie une vingtaine de bouteilles de prélèvement reliées au bateau par un câble. Grâce à un ordinateur, on peut télécommander la fermeture de ces bouteilles. On arrive ainsi à récupérer des échantillons à différentes profondeurs. On mesure ensuite les propriétés comme la température, la concentration en carbone, la concentration en oxygène de tous nos échantillons. Une partie des analyses est réalisée dans le laboratoire du bateau, mais lorsque cela n'est pas possible, on renvoie les échantillons à Paris pour analyse. Ainsi, on obtient les propriétés à la fois physiques et chimiques de notre océan, le long de profils verticaux depuis la surface jusqu'à la profondeur.